Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Alien. Donc on est toujours sur le tournage de la vidéo Predator. Ce tournage-là nous a permis de faire des vifs. Et comme annoncé dans la vidéo, on va faire découvrir la pêche du silure à G. Et moi, ça va me remettre dans le bain. Je vais surtout voir si mon épaule tient le choc. Donc ça va être très important. Donc là, si je suis sur l'eau, c'est pas pour rien. C'est j'ai été voir les trous où on allait pouvoir mettre les flotteurs sous-marins et les montages au cassant Fireball. Maintenant que j'ai trouvé tout ça, que j'ai posé mes cassants, on va se retrouver sur la berge. Je vais vous montrer les éventuels vifs. Je vais déposer les vifs avec vous en bateau, etc. Je vais vous présenter les montages, etc., etc., etc. J'espère vraiment que la vidéo Predator vous a plu parce qu'on a fait un taf de ouf dessus. D'ailleurs, elle n'est pas sortie encore. C'est pour ça que je vous dis, je l'ai fait vraiment cul à cul la vidéo. C'est assez sympa. Alors on se retrouve sur la berge pour la suite des hostilités. Admettons que vous débutiez dans le silure, l'accessoire de base qu'il faut déjà c'est une canne au cou, une canne feeder et une jeune bourriche flottante comme ça. Ça vous permet de tenir vos vifs dans de très bonnes conditions. Donc là dedans il y a deux chevennes qui sont assez solides. Une petite brémette. Pour installer après tous vos montages bien sûr. Il vous faut un jeune bateau. Donc là on est sur un 2.48 orange marine. On a un moteur 1000 quota 55 livres, la batterie. Le dipper, le support dipper pour tout ce qui va être pêche à la pierre pour bien poser au bon endroit. Et c'est ce qui m'a permis justement de me régler par rapport à la berge d'en face en fait. Maintenant je vais vous présenter les montages. Donc là ça va être un test aussi pour moi. C'est parti. Voilà les amis, donc la présentation des montages. On a sorti la table et tout, je vous fais vraiment un truc propre. Donc concernant les montages qu'on va utiliser pour tout ce qui est appât vivant, là je vais tester le cassant au Fireball. C'est-à-dire que je vais mettre ces têtes de Fireball dans la narine du jeune chevenne fou. Dans la prolongation, je vais mettre le triple, en disant entre la dorsale et la queue. Bonjour à Zoopolis, hein, je sais que je ne vais pas me faire que des copains, mais malheureusement c'est une pêche traditionnelle ancestrale et voilà. Donc pourquoi le Fireball? Parce que j'ai remarqué quand tu utilises un plomb que tu mets au-dessus de ton bas de ligne avec le simple dans le dos, etc. Bon, déjà d'une, ça blessait beaucoup ton vif et ça laissait beaucoup au vif de champ de manœuvre en fait pour essayer d'esquiver les attaques, alors que là il va te lester directement par la bouche, il va nager mais peut-être un peu moins vite quoi. Du coup ça va laisser une chance au sealer de le coffrer. Donc ça va être les approches avec des montages téléphériques. Donc là ce qui se passe, j'ai posé mes Fireball au sol, j'ai donné les coordonnées en hauteur de pêche et de nage du vif et de fixation de mes cassants à G. Et partant de là, voilà, tac, on a calculé à peu près ce qu'il fallait qu'on fasse avec le jeune maître fou. Et sur mes cordes ligne, j'ai fait des boucles qui vous servent d'ancrage de fixation de vos cassants en fait. Et si le silure tire d'un côté et le bonhomme de l'autre, la boucle s'effacera et boum, il n'y aura aucun obstacle lors du combat. Si vous arrivez au bord, il n'y aura pas d'émerillon, il n'y aura quoi que ce soit. Et on se retrouve pour poser les cannes dans quelques instants. Voilà les amis, donc là comme vous pouvez le constater, je suis arrivé sur ma boucle. Je fais un nœud assez rapide, assez solide. Toc. Tu mouilles bien. Donc là, c'est un fil cassant de 10 kg. Tangé. Hop. Là, vous voyez, là, on sécurise bien s'il y a d'autres bateaux qui passent quand même. Et là, je m'éloigne doucement. On arrive en contact avec le vif. On sécurise bien le vif. Attends, Jay, doucement sur la tension. On voit qu'il est bien pêchant. On voit qu'il est bien petit, bien fou. Et hop, c'est parti, on le laisse partir avec l'élan. Pour une présentation optimale. Donc là, je ne pouvais pas vous faire plus rapide et plus joli. Hein. Là, un bateau, il y a une hauteur de 2 mètres, il peut passer. Donc le côté interdiction et danger, c'est ça, un montage téléphérique, voilà, quelqu'un qui passe, qui n'est pas attentif, il se fait décapiter, ce serait quand même triste. Donc on va éviter tout ça. Ça va être les montages à chevenne. Là, on part sur les montages avec la brème. Donc là, je l'ai installé sur un flotteur sous-marin qui sera maintenu par une pierre. Donc pareil, hein, vous mettez le nez de la brème dans le premier hameçon simple. Toujours le petit morceau de chambre à air, bien sûr, hein, également sur les... sur les Fireball. Là vous allez fixer votre fixation à une pierre assez lourde pour créer un bon autoferrant. Ce sera le même système de cassant mais en fond.
Voilà les amis, là j'arrive sur la zone, j'attends la zone propre. Oh putain, la jeune brenne folle comme par hasard elle se débat, zone propre. La jeune pierre. Non. Et concernant le quatrième montage, on va passer sur des appâts morts. Donc là c'est des lanières de calamar qui marinent légèrement dans une sauce assez incroyable. Et là grosso modo je vous ai désassemblé le montage. Donc je vais le monter, je vais vous le présenter après en posant les cadres. Parce que j'en ai un à faire. Donc vous partez de l'émerillon, de la tresse, les perles qui vont bloquer votre flotteur sous-marin. Moi je vais additionner à ça un petit morceau de bouchon en liège que je vais coller à mon triple. Histoire que vraiment ça, les calamars flottent dans la prolongation. Et l'activité va être générée par la rotation du flotteur sous-marin. Qui en plus fait un jeune bruit fou. Voilà les amis, donc ça c'est le montage pour les calamars. Donc on l'a réalisé, il est fixé à un émerillon. Il sera attaché à une grosse pierre. Donc là l'objectif, ça va, je vais gérer ma hauteur de flottaison comme ça. Et le petit bout de liège va vraiment aider à rester dans la continuité avec le courant en fait. Et ça va créer de la mobilité. Donc là maintenant vous verrez tous ces montages échés. Donc voilà, le montage à calamar il est éché, ça rend ça. En fait les jeunes lanières marinées, je suis dans l'espoir que le flotteur sous-marin avec les petites billes internes et tout puisse attirer l'attention des silures. Plus ça, plus l'odeur, plus le mouvement, ben, ça génère une attaque. Donc ça on va mettre ça sur notre bordure à nous et les trois autres canaux vifs un peu plus espacés. Vous voyez les amis, donc là j'ai atteint la profondeur de 4,50, c'est la hauteur d'eau que je cherchais. Je prends ma pierre en suspens. J, t'es prêt? Je lâche, c'est parti les amis. Là tu tends, tu laisses pas prendre de bannière. Après en bonus, tu peux rajouter, tu remontes un chouïa le courant. Et tu te remets quelques fonds de lanière comme ça de jeunes calamars fous. Pour faire un petit rappel. Ça sent très bon, c'est magnifique, c'est beau. Bon bah là ça vient de virer au cauchemar clairement. Un orage de dingue avec la terre, regardez tout le dépôt dans les cannes et tout, c'est. Il va pas pouvoir en faire beaucoup, il va être trempé. Je viens de faire une chute assez exceptionnelle avec là, 5000 followers et Jay Carp Fishing. Voilà, dans une heure, faut que j'y retourne. Donc ça risque de faire un sacré transfert de poids. Attention, les amis, on tente. Oh là là, magnifique, elle est belle. Bah oui, arrête. On sent l'entraînement. On sent la puissance. Voilà, les amis, 21h. 4 heures plus tard, les cadres sont tendus. Il y a un orage de ouf qui a explosé, trop d'herbe qui dérive. Je sais pas si on va capturer un alien, mais en tout cas des douleurs et des crampes, ça on va en avoir pendant quelques jours. Donc maintenant faut que ça fasse paf. Live stop. Oh la vache. Eh, il vient directement sur nous, il fait quoi lui? Off! Non, mais dis pas, il s'est tanké. Ah, il s'est tanké. Putain. Oh bah le gros lot. Ah il est là, je le vois. Ah. Voilà les amis, ça a pété surprise. Orage surprise la totale les gars. Un truc de dingue.
Ah là. Attends, je sais pas, ça se trouve il est pas bien gros. Oh c'est un bébé putain. Ah le salopard, il m'a coffré v'là le chevet. Avec le temps, j'ai pas pu filmer la touche en direct, rien, parce que l'iPhone il aurait pas supporté. T'as te ramener là-bas, non? Life, calme-toi hein. Essaye de te le ramener, il faudra qu'il tape un rush après le bateau parce que là c'est pas bon. Putain, t'as vu le bordel ce qu'il t'a coffré comme vif le bateau. Life, doucement. Oh putain, elle a sauté dans le bateau, c'est ouf. Life, file de là. Life. Oh, elle est tombée dans l'eau. Va l'aider, va l'aider. Le chien est tombé dans l'eau. Va l'aider. Live doucement, viens là, Jay arrive, tonton il est là, tonton il est là. Quelle éconne. Live, tu vas être puni. N'importe quoi. T'as sauté sur le bateau, elle a glissé, n'importe quoi. Ça vire au drame là. Et Live, tu peux faire un bisou. Voilà, là tu tiens par la tresse, sous le fireball, sous le fireball. Voilà, t'attrapes mâchoire droite. Tu fais attention à l'hameçon. Observe l'hameçon d'abord. Hein. Observe où est le triple. Et là, quand tu saisis, tu lâches plus. Mâchoire inférieure. Et là, je vais t'aider à remonter. Un thème, je suis en t-shirt, c'est le carnage. Bon, bah, Alien, c'est parti. Incroyable, les amis. Coup sur coup, les deux gros chevaux ont pété. Je sais pas si la lumière est bonne. Et là, ça a l'air solide, plus solide. Ouf. Ouf. Corde, Jay. Gants. Oh, il a pas l'air gros, en fait. Incroyable. Le doublé, les amis, de fou. Oh la vache. Viens, viens, j'ai bien. Non, viens là, viens. Allez, mousse-toi. Voilà. Lui, je le ramenais. Il s'est fait shooter par un autre. Un truc de ouf. Regarde la gueule du vif. Regarde la taille du vif, s'il te plaît, le chevin de 50. Incroyable, la vidéo va être folle. Elle va être folle, la vidéo. Incroyable ce qui se passe. Bon, voilà, c'était une pêche initiatique pour Geo Glenn. Donc je vais faire le plaisir, je vais le laisser vous présenter les poissons parce que moi avec l'épaule tout à que je commence à dérouiller un peu avec l'humidité. Les petits voyous. Alors Jay, qu'est-ce que tu penses de cette première session? Magnifique. C'est incroyable, vraiment c'est des poissons incroyables, plein puissants. Et vraiment, vraiment beau résultat. Une robe de fou. Des aliens de l'espace. Et d'un point de vue montage, tout ça, t'as trouvé ça compliqué? C'est quand même dur à poser, c'est... Alors, dur à poser, ouais. Honnêtement, il faut être initié, quoi. Vraiment, faut pas se lancer dans des choses folles. Faut vraiment bien écouter, être avec quelqu'un qui connaît, pour pouvoir réaliser des pêches comme ça. «
les aliens, les tigrimoutes, les black cats, les silures, les silures, le grande, le glen. Allez, libère-les, mon pote. Lâche-les en même temps, lâche. Allez, Lufto. Bien joué, Jay. Salut, les amis. Incroyable. Incroyable.